Je quitte Kashgar pour aller vers l'ouest, le long de l'ancienne route de la soie. Après 4 heures de trajet, ma vue touche au sublime, à l'enchanteur. Les adjectifs se bousculent dans mon esprit pour définir ces décors, ce panorama, ces perspectives. Merci, Dame Nature. Je suis sur le plateau du Pamir, au pied de ce fameux Mustagata, sommet qui culmine à plus de 7500 mètres d'altitude. Le Mustagata est surnommé le père des glaciers. C'est une montagne sacrée. Je ne suis pas perdu. J'ai rendez-vous avec une famille kirghize. Ils sont à la fois éleveurs de yaks, mais aussi gardes-frontières. Allons les rencontrer. Yarshimu, Nirao. Bonjour. Vous êtes Mehmet Nour, Gouli donc. Et la maman? Enchantée. Il fait froid. On est très tôt le matin. Quel beau petit troupeau de yaks. Quelle est votre occupation actuellement? Je veux bien vous aider, avec grand plaisir. Allez. Les pâturages sont abondants sur le plateau du Pamir, où les nomades vivant souvent d'élevage ont appris à vivre en harmonie avec leur univers venteux où il neige dès le début d'octobre. Je pars avec Gouli à la frontière du Tadjikistan, à moto. Le Pamir a toujours été un passage obligé pour les caravaniers, là où vivent les Kirghizes depuis fort longtemps. Il servait jadis de guide pour franchir les hauts sommets et traverser ces vallées profondes. Après avoir fini ses études au lycée, Gouli a suivi son père en devenant ponctuellement garde-frontière. Gouli, j'ai cru entendre parler d'une histoire d'amour. Félicitations! Le cérémonial a lieu chez la mariée et dure 2 jours. Les familles et amis viennent parfois de loin pour célébrer le mariage dans la matinée. Le marié apporte du bétail et de la literie à Gouli, marquant alors le début officiel des festivités. Les mariés commencent par célébrer la noce avec leurs jeunes amis et leurs parents avec les aînés. Les invités hommes et les invités femmes sont alors réunis dans des salles différentes. Puis tout le monde chante et danse ensemble durant toute la soirée. Manière universelle pour l'être humain d'exprimer sa joie, que ce soit en Chine, en Europe ou ailleurs, partout, et ce depuis toujours.